Tout autour de nous, justement, il y a des baraques à frites, il y a le camion qui fume, il y a la brigade, il y a un autre truc, je sais pas c'est quoi, il y a encore un autre truc, je sais pas c'est quoi. Les gars, on se dit 10 000 pouces bleus, et avec le poteau d'Obi, on se fait un putain de marathon, on les fait tous, et on fait un classement. Yo les petits potes, on se retrouve avec ma nouvelle coupe en mode de Choupi. N'hésitez pas à me dire si je ressemble à Choupi MDR. Depuis samedi dernier, on m'appelle Choupi. Bref, on se retrouve avec le poteau d'Obi, j'ai l'impression que c'est toujours la même enfant. Obi, il est toujours derrière. Y'a Kiki aussi qui va nous suivre. On va aller quelque part où j'ai déjà dégusté là-bas, à la PGW. Je sais pas si vous vous rappelez, je mettrai la vidéo juste là, on va en fiche ou je sais pas quoi, ça s'affiche juste ici. En fait, en gros, c'est la brigade où justement c'était genre une putain de tuerie. Mais le problème, c'est que justement sur le centre de la PGW, c'était pas full garni. Tu pouvais pas mettre double ration, etc. Moi, je vais aller là-bas, je vais faire double ration. Le Dobby, la dernière fois, il m'a ramené justement chez. Je vais dire chez Albert, mais non putain. Chez Alfred. Il m'a ramené chez Alfred, il m'a fait découvrir chez Alfred. Je vais lui faire découvrir du coup la brigade, les petits potes. Ça va être une petite merveille. Les petits potes, on est arrivé, c'est juste là-bas. En fait, je suis un peu déçu parce qu'on avait le choix entre soit un restaurant. Putain, j'ai fait me tuer ma mère. C'était soit un restaurant ou soit c'était un food truck. Et je pense que le food truck, c'est exactement le même qu'il y avait à la PGW. Donc je suis un petit peu déçu. J'espère qu'ils vont faire double ration parce que j'ai une dalle de forain. Mais si c'est comme à PGW et qu'au final il n'y a pas double ration, je suis un peu déçu. Ouais, c'est exactement la même chose. Hein. C'est la même carte. En fait, en gros, à la PGW, on avait juste une seule rangée. Et là, apparemment, on peut peut-être avoir les deux. Regardez-moi cette petite carte, les gars. Du classique avec du poulet et de la sauce salée. Yo. Ah, c'est fat en fait hein. Mon pote, ah ouais, comparé à la PGW, mon pote c'est différent hein. Toi t'as pris quoi toi? La bœuf, tout simple. Regardez-le lui. Ah ouais. Tiens, vas-y, prends la... T'as pas pris double toi? Si, j'ai pris double, mais moi ça c'est... Ça c'est le bœuf et ça c'est le canard derrière. Ok, c'est un peu plus fat que ce qu'on avait eu à la PGW. Parce que nous on avait juste une lignée, là il y en a deux. J'ai pris du bœuf, ouais, du canard. Et lui, il a pris, regardez-moi ce petit poulet là. Petit poulet croustillant. Aïe aïe aïe. J'ai pris une petite sauce roquefort, roquefort miel et une sauce cacahuète. Et franchement, c'est archi stylé. Parce qu'en fait, en gros, bon, bah, c'est un food truck comme à la PGW, mais en fait, j'avais pas vu. Derrière, juste là-bas, il y a le food truck, le camion qui fume. J'avais fait une dégustation justement avec Kellan à l'époque, le camion qui fume. Je vous mets de nouveau la petite vidéo qui est juste là. Et là, il y a d'autres trucs. Apparemment, c'est des tacos, tout ça. Et je pense qu'un jour, avec le petit Dobby, si on a une grosse dalle, pourquoi pas faire un marathon food truck. Faut le préparer, quoi. Un petit marathon food truck. Je mange pas pendant 2 jours. Quoi. Ouais, j'avoue. Bon, allez. Si tu veux un petit bout de poulet, on échange avec le canard. Bah, je peux t'échanger un petit bout de poulet contre un petit bout de canard, ouais. Allez, on va goûter ça. Il est où mon canard? Tiens, un petit bout de canard gros. Oh, la sauce roquefort gros. Allez, par contre, le canard c'est petit. Hein. Ça, oh, la sauce roquefort mon pote. Là, si tu veux la goûter. Hein, ça c'est roquefort miel. Ça passe archi bien. Tu veux goûter ça? Ça c'est quoi? C'est échalote. Échalote. Elle est violente. Hein. Elle est archi bonne. Ouais, le bœuf. Mais roquefort, elle est archi bonne. Tu m'étonnes que j'y allais tous les jours. Hein. La PGW, 4 jours, j'y suis allé 4 fois. Je te jure. Hein. On va goûter le poulet. Petit poulet croustillant. On dirait les poulets qu'il y avait au Japon. Ouais, je suis parti un coup, il y a ma baguette. Je suis moins fan. Faut lui mettre de la sauce, quoi. En fait. Sinon, il est super sec. Mais archi sec. J'aime bien le croustillant sur les côtés. Je suis moins fan. Tu veux un bout de poulet? Une sauce curry cacahuète. Je savais pas que ça existait. On va goûter le canard. Merci. Tu me l'as donné le canard toi? Ah, il est là. Ah, très très bonne surprise. C'est fondant de ouf le canard. Oh putain. Ouais, c'est bon. Là franchement j'étais limite déçu de d'avoir coupé et pas d'avoir pris que du bœuf. Mais au final. Goûte cette sauce. C'est quoi? T'es pas allergique à la cacahuète? Non. Elle passe bien, ouais. Curry cacahuète. J'ai une petite soupe, genre. Ouais, une petite soupe. J'avoue qu'il y a les frites aussi. Hein. Genre moi, plus tard, je graille de la viande et je suis limite que pour la viande, mais il y a les frites. Hein. Ouais. Alors? Ouais, c'est bon. C'est bon. Même l'assaisonnement, il est trop bon. Aïe, aïe, aïe. Mais par contre, ouais, un bout de canard, c'est beaucoup plus petit. Hein. Ah, le roquefort, la sauce, elle est... Elle est terrible. Hein. Après, j'ai un souci avec les sauces et la viande rouge.
C'est que la sauce, elle camoufle le goût de la viande, du coup. Faut en mettre vraiment un petit peu. Mmh. Ça m'avait manqué, hein. La bonne viande, mais regardez-moi ça, les potes. Merde. Ah non, remange-la pas, hein. La table, là, n'oublie pas. Ah ouais, putain, fait chier, j'ai sacrifié un morceau juste parce que je voulais montrer les trolls seuls. Moi, j'hésite vraiment à le manger, hein. Putain. Ah non. Si t'étais pas là, Pete, je pense que je l'aurais mangé. Oh, il y a un avion. Quoi? Mais non, tu rigoles. Je voulais qu'elle se retourne, tu le grailles. Mais non, regarde. Moi, je regardais là, en plus, j'étais dans le coin. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, mais il a bégayé. Putain, mais regardez-moi ce petit plateau, là, les gars. Plein de couleurs. Bon, je vais faire attention à ma viande, parce que j'ai... Putain, j'ai le seum. J'ai trop le seum. Non mais la sauce sur le coin c'est un peu... Et attention. Après s'ils veulent des couteaux ils me disent. Oh là là. Un petit canard nature. Mais les frites elles sont trop bonnes, hein. Mais tout est bon. Mmh. C'est super bon. La viande elle est crue. Et j'avais quasi jamais goûté du canard pour te dire, hein. Je trouve que ça passe archi bien en fait, hein. C'est super tendre. Oh là là. J'ai limite envie d'en racheter juste pour de la viande. Hein. Hein? C'est super bon. En parlant de racheter, les gars. Oh. RT, si t'es triste. Triste. Ouais, je voulais parler des prix, les gars. Au niveau des prix, le double, donc ils appellent ça le mixte, c'est 17 balles. Et le classique, c'est 11 balles. En vrai, pour un truc, c'est quand même assez cher. Après, on est en plein Paname et c'est quand même archi, archi bon. Franchement, est-ce que tu valides là pour moi? Ouais, pour moi, je valide. Bon, peut-être pas le poulet, tu vois, j'aurais peut-être dû. Ouais. En fait, après avoir goûté le canard, je me suis dit. Ouais, le canard, c'est quand même mieux. Regardez ce petit canard là. Mmh. Bah là, je suis archi déçu parce que bah, j'ai terminé ma viande. Ah ouais, mais toi, t'es déter. Et il y en a une là. Il y en a une autre là. Voilà. Après, les frites, elles sont pas dégueu en plus, hein. Moi, c'est la sauce qui me rend fou en fait. Oh là là. Mec, je vais mettre de la sauce cacahuète sur mes frites. C'est trop bizarre, hein, la sauce cacahuète. J'ai l'impression que j'ai versé du beurre de cacahuète liquide, mais un peu assaisonné curry. C'est trop bon. Oh là là. Par contre, les frites, ils rigolent pas. Hein. Regardez tout ce qu'il y a, les gars. Je creuse dedans, les gars. Il y en a encore, encore et encore et encore. C'est vrai qu'elle fait mal aussi la sauce record, hein. Mais coup de cœur pour la sauce cacahuète. Hein, donc. Ta vie est remplie de tristesse. 2,90€, ça. Hein. Intensément pétillante. Et cher. Il y a écrit cher. intensément cher. C'est 12 ans d'âge. On fait pas de gâchis, nous, mon gars. Franchement. Regardez le petit double, il est en galère. Hein. En vrai, c'est vrai que c'est pas évident à manger les frites avec, avec ce truc-là. C'est ça. Pour les viandes, c'est archi pratique, mais. Regardez, Pidi, comment elle dégomme. La brigade à faire et à refaire, je vous le recommande vraiment, c'est genre de la boulette. Seul point négatif, pourtant il y avait double viande, bah je trouve qu'il n'y en a pas assez tellement les bonnes. Je le disais tout à l'heure les petits potes, tout autour de nous justement, il y a des baraques à frites, il y a le camion qui fume, il y a la brigade, il y a un autre truc, je sais pas c'est quoi, il y a encore un autre truc, je sais pas c'est quoi. Les gars, on se dit 10 000 pouces bleus. Et avec le poteau d'Obi, on se fait un putain de marathon, on les fait tous et on fait un classement. Comme d'habitude, je vous mettrai dans la description l'adresse de où est-ce qu'on est. On est au MK2, c'est devant un cinéma, je sais pas quoi, c'est près de Bercy. Du coup, voili voilou, je vous fais des bisous, on se dit à la prochaine, puis